C'était l'époque où les réverbères éclairaient vaguement les ruelles et étiraient les ombres sur les murs et les pavés. À l'angle de la rue des Bars et du Grenier sur l'Eau à Paris, il y avait une de ces lanternes que l'on allumait à la nuit tombante en la descendant et en la remontant au moyen d'une corde qui traversait la rue et s'ajustait dans la rainure d'une potence, comme tous les réverbères. Sauf que celui-ci, par sa disposition, projetait votre ombre d'une curieuse façon. Il l'étirait très loin derrière vous, lorsque vous arriviez, la cassait en angle droit sur le mur de l'église Saint-Gervais, et l'élançait très loin lorsque vous aviez pris le tournant. Votre ombre était à cet endroit si insolite que bon nombre de gens qui passaient par là pour la première fois en avaient peur. Un soir, un commerçant du quartier qui s'aventurait dans la ruelle sentit soudain un je ne sais quoi. Ce n'était pas de la peur, non, mais une sorte de malaise. Il se passait quelque chose d'inhabituel dans ce lieu. Êtes-vous passé ces temps derniers rue des Bars et du Grenier sur l'Eau? Oui. Le soir, vous n'avez rien remarqué d'étrange? Vous voulez parler de l'ombre? Oui. Votre ombre a disparu à cet endroit. Oui, je m'en suis aperçu, mais je n'ai pas osé en parler, de peur de passer pour un original. C'est pourtant un fait. Nous n'avons plus d'ombre au coin de cette rue. Bientôt, tous les habitants du quartier purent vérifier par eux-mêmes. Dès qu'ils arrivaient à l'angle de la rue, leur ombre disparaissait. Envolée, gommée. On mit cela sur le compte d'un phénomène physique qui échappait encore à l'entendement. Jusqu'au jour où s'installa rue François Miron un théâtre d'ombre. Et à leur grande stupéfaction, les habitants du quartier reconnurent leurs propres ombres en projection sur l'écran. Les ombres qu'on leur avait volées dans la rue se trouvaient ici dans ce théâtre. Comment expliquer cela? Sinon en supposant que le propriétaire ou l'animateur du théâtre était le voleur. Un voleur d'ombre.